Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la compagnie d'Epic Club. Je veux dire plutôt la deuxième partie de mon partenariat parce que, comme je vous ai dit la semaine dernière, comme je vous ai dit la semaine dernière, ils m'avaient proposé de prendre un plus grand budget pour avoir plus de produits pour vous faire deux vidéos. Donc voici mon deuxième vidéo. J'ai deux points de croix et un diamond painting à vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les deux points de croix parce qu'ils vont ensemble. Êtes-vous curieux? Restez là! Vous êtes encore là? Parfait! Donc, et DP Club. Vous êtes prêts? Je vais vous montrer les deux points de croix. Parce que ils sont vraiment trop drôles, puis j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment que je les montre les deux en même temps. Donc, deux points de croix de la compagnie Joy Sunday. On reconnaît les emballages. Je vais juste passer ma chaise qui est derrière moi, ça fait du temps. Et puis là, je vous les montre. Un, deux et trois. Ta-da! Ces deux cochons. Je les trouvais cute. Je les trouvais vraiment très drôles. Donc, oh, c'est drôle. Ils appellent The Little Sister Pig et The Little Brother Pig. Fait que la petite sœur cochon et le petit frère cochon. Donc, c'est des 14 CT et 15 par 16 cm. C'est des petits projets. On va aller voir la grandeur et tout et tout. Commencer par la petite sœur. On va tasser le frère. Je vous le montre après. Ça va être sensiblement la même chose, mais je vais quand même vous les montrer, tu sais. Ben, c'est trop cute. C'est tellement chou. Donc, voici. C'est tellement... Je pense qu'avec ma main, presque, je peux toute la cacher. C'est juste qu'elle est plus grosse que ma main. Ah, tiens, si je la mets dans l'autre sens. Si je mets l'autre main. Fait que c'est une toute petite toile. Avec... Bon. Excusez-moi. On a le patron. J'aime ça les patrons de Joy Sunday parce qu'ils sont super détaillés. T'sais, il est énorme. Là. Il est beaucoup plus grand que le projet en tant que tel. J'ai quand même 10 couleurs. C'est pas si bien. C'est pas si mal. Je voulais dire pas si bien. En tout cas. Avec. J'ai des nœuds français à faire. Je suis certaine que c'est les deux yeux. Et un peu de backstitch tout le tour dans le fond. Puis des petites lignes dans les fleurs pour que ça fasse joli. Donc, on va aller voir. Les aiguilles. Il y a tout le temps deux aiguilles avec les projets. Donc, les deux aiguilles sont dans un petit sac accroché avec mon support à fil. Et voici les 10 couleurs. On a du noir, du rouge, du rose. Une autre sorte de rose. Trois sortes de rose. Du bleu, du beige, du vert et du vert. Donc, c'est seulement ça. Ça va être... un petit projet rapido, rapido entre deux gros projets. Et voilà. Ensuite, je vais ranger celui-là pour ne pas mélanger les fils avec l'autre projet qui va être probablement sensiblement la même chose. À l'exception que lui va avoir du blanc pour ses boxers. Bon, il ne va pas se replacer dans le sac. Voilà. J'aime ça, les sacs de Joy Sunday. Ben, je dis Joy Sunday, mais il n'est pas écrit le nom de Joy Sunday. D'habitude, il est écrit le nom de Joy Sunday, mais... je sais pas pourquoi ils n'écrivent pas le nom, puis des fois, ils l'écrivent. En tout cas. Fait que voilà, ça, c'est le premier. Le petit frère à sœur. Little brother. OK. Encore une fois, c'est une toute petite toile, mais il est quand même plus gros, plus rond. Oui, lui, il faut que j'ouvre ma main pour le cacher. Il y a encore 10 couleurs à mon avis. Je vais juste aller vérifier pour être certaine. Effectivement, 10 couleurs. Une couleur pour du backstitch et le nœud français. J'avais pas vérifié tout à l'heure, mais évidemment, c'est comme je l'avais dit, les yeux pour faire un nœud français. Qui a un petit peu moins de backstitch, mais il y en a quand même beaucoup, là, parce que c'est tout le tour du cochon. J'ai trouvé vraiment beau.
J'aime ça, moi. J'ai beaucoup de. C'est pas difficile, hein. J'aime toutes les choses. J'aime tout plein de choses. Bon. Donc, un peu de noir, du rouge pour les petits cœurs sur ses boxers. Du rose. Deux, trois sortes de rose. Du bleu. Du beige. Un autre bleu et du blanc pour ses boxers. Avec les deux aiguilles. Il y en a deux ou trois? Ah, il y a trois aiguilles dans ce sac-là. Étrange. Est-ce correct, là? Ce n'est pas perdu. Pardon. Ouais, finalement, là, je tousse beaucoup ces temps-ci, là, puis c'est des allergies. Je me suis rendu compte de ça parce que quand ça fait longtemps que je suis pas sortie dehors, je ne tousse plus. Mais aussitôt que je sors dehors, ça prend 2-3 minutes, puis je me mets à tousser. Je ne sais pas ce qu'il y a autour de chez nous, mais ça me fait tousser. Et voilà. On va rentrer ça dans le sac. Et là, on va aller pour le Diamond Painting. Encore une fois, j'ai aucune idée de c'est quoi. Ah oui, ok. Je l'ai reconnu rapidement. Bon, excusez. Fallait que je tousse un bon coup. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Ça va m'aider. Ouh, l'eau était froide, ça m'a gelé les dents. Ah, oh, ça fait du bien. Bon. OK. Donc, le Diamond Painting. Oh non. Il était dans un petit sac en plastique transparent. Il est déjà dans le bon sens. J'aime ça. OK, il est plus petit que je pensais. Ça va être cute. Donc, un petit toolkit de base, un petit ensemble d'outils, tiens, on va le dire en français, de base, plateau vert, c'est rose, crayon rose. On va regarder les diamants. Je devrais pas avoir un nombre effrayant de couleurs. OK. C'est des diamants ronds. Pardon pour le bruit. Puis là, ça, des diamants ronds, du noir, du noir, du noir, du noir, oups, du bleu foncé, du bleu un peu plus foncé, un autre bleu foncé, un autre bleu, un autre bleu, un autre bleu, un turquoise, un bleu et un autre bleu. Ah ah ah, mais qu'est-ce que c'est? Je vous le montre tout de suite. Un, deux, trois. Je vous le montre, mais je passe ma main devant. Donc, j'ai seulement 10 couleurs. C'est le. Ça va me faire changement. En fait, ça va pas me faire changement du tout, mais au lieu d'être décoré, ça va être du rond. Mais tout le rond. Tout le fond en noir. Avec le stitch en bleu. Ça va être vraiment beau. Je le trouvais vraiment cute. Puis c'est un 30 par 30, fait que c'est tout petit. Ça sera pas très long à faire. Surtout la quantité de noir qu'il y a à faire. Ça sera, moi, je pense que ce sera pas long. Là. Surtout à grandeur, ça donne. J'ai fait des gros projets en carré avec du noir en masse. Je vais aller vérifier pour la grandeur. C'est sûr que c'est pas tout à fait 30 par 30. C'est un 24,5. Un 25. 25 par 24,5. Bon. Je le trouvais vraiment cute. Ma fille a trippé sur Stitch. Fait qu'elle va être vraiment contente. En fait, mes deux filles trippent sur Stitch, mais je pense que c'est principalement Rebecca. Rebecca, elle trippe sur tout ce qui est toutou, tu sais. Fait que Stitch, on s'entend qu'il a l'air d'un gros toutou. Ah non, as-tu un Stitch en toutou? Oui. Il me semble qu'on y en a acheté un à Noël. Ou à sa fête. Bref. Fait que je vais juste, comme j'ai fait dans mon unboxing précédent, je vais ranger les diamants. Mais je vais tout de suite les identifier pour que je puisse aller les mettre dans ma réserve et la toile dans mon cahier. Mm-hmm. Ah, c'est là. Mon crayon est où? Il est là. Fait que je vais l'appeler Stitch électrique. Je sais pas pourquoi.
Stitch. Ah, bon, je vais écrire Stitch sur fond noir, là, en place, là. Des pick-ups. Et ce shake. Je vous shake un peu, hein. Mais je pense que je vais écrire le numéro de série, là. D'un coup, que j'en ai un autre Stitch. Mais je pense pas d'avoir un autre Stitch sur fond noir, là, mais. Juste au cas où, ça. Je vais pas me mélanger dans mes diamants. Je colle ça là-dessus. Parce que tous les diamants sont ensemble dans un rangement. Puis les toiles, mais sont dans mon cartable. Donc, et voilà, c'était mes trois produits. La petite toile de Stitch et les deux couchons. Merci beaucoup à DP Club de votre confiance. Et puis, je vous reprends en face à face. Vous me direz en commentaire si vous les avez aimés, les cochons, parce que je pense que je vais les mettre dans mon petit tiroir pour mes petits concours éventuels. Vous le savez, hein, je vous ai dit, là, je vais prendre une pause pendant l'été parce que j'ai encore quelques colis qui n'ont pas été envoyés. Dont les enveloppes que vous voyez à ma droite. Pas ma droite, c'est ma gauche, ça. C'est la gauche, mes amis. À gauche, à droite. Mais c'est parce qu'à l'écran, en tout cas. Ah, bref. pardon. Donc, à partir de septembre, je recommençais à vous faire un concours par mois, puis là, je vais vous faire choisir, bref. Vous le savez déjà. Comme d'habitude, tous les produits que je vous ai présentés sont en description de la vidéo. Je vous mets aussi un lien pour la compagnie DP Club. Les prix sont super. Je trouve que c'est vraiment le fun, puis les toiles, ils ont vraiment l'air de bonne qualité. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Puis, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!